Bonsoir, chers collègues. Merci d'être présents à ce webinaire qui est la continuité des controverses en neurologie. Ce soir, il y a un débat très intéressant qui va opposer deux orateurs de talent concernant le traitement combiné de l'adénome prostatique, étant pour ou contre. Ce débat va être arbitré par trois éminents urologues que vous connaissez, le professeur Hammer, qui est chef du service d'urologie et d'uronéphrologie à l'hôpital militaire de Rabat, le professeur Nouini, qui est chef du service de l'urologie A à l'hôpital Avicenne de Rabat, le professeur Ibn Atiyah, qui est le chef du service de l'urologie B à l'hôpital Avicenne de Rabat. Le débat va opposer le professeur Omar Rondel, chef du service d'urologie à l'hôpital militaire de Marrakech, au professeur Hashem Sayer, qui est professeur d'urologie à l'hôpital Avicenne de Rabat. Je n'oublierai pas de remercier de la manière la plus fervente les laboratoires Sun Pharma pour leur contribution durant toute l'année au développement de l'urologie continue et la formation continue des urologues. Sans trop tarder, je vais passer la parole au professeur Hammer et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, cher ami, de m'avoir invité moi aussi pour présenter les deux collègues qui vont traiter, qui vont débattre plutôt le rationnel du traitement combiné de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et je commencerai par professeur Hashem Sayer, qui est professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Il est professeur au service d'urologie A d'Avicenne. Puis après, le professeur Rendel, qui est chef de service d'urologie à l'hôpital militaire de Marrakech. Donc, je passerai la parole au professeur Hashem, que lui il va débattre le pourquoi du traitement combiné de l'hypertrophie de. Merci, professeur Akera. Merci, professeur Hamel. À mon tour, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de participer à ce débat intéressant. Est-ce que ma diapo est partagée? Oui, oui. Oui, ça marche. Donc, à mon tour, je remercie les laboratoires Sun Pharma qui m'ont permis de se réunir à travers le groupe GRAMS dans ces controverses en neurologie. De ma part, je vais présenter le traitement médical combiné. Je vais essayer de défendre le traitement médical combiné de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Comme vous savez que les symptômes du bas appareil urinaire ou les troubles du bas appareil urinaire en rapport avec cette hyperplasie bénigne de la prostate, on parle d'hypertrophie, mais c'est normalement, c'est une hyperplasie bénigne de la prostate. Je ne vois pas ma caméra, mais ah oui. De la prostate qui atteint en France presque 2 millions avec 100 000 nouveaux cas par an. C'est une maladie qui est bénigne, mais malheureusement, elle altère énormément la qualité de vie. Et comme vous voyez sur ce diagramme, tous les hommes de plus de 40 ans, si on les prend, on trouvera qu'il y a de l'HBP, de l'hypertrophie bénigne, de l'hyperplasie bénigne de la prostate chez à peu près 90% des gens, avec des signes en rapport avec l'agrandissement de la taille de la prostate ou l'obstruction et le dérangement dû au signe de bas appareil urinaire représente une grande partie, parfois sans aucun élargissement ni de la prostate, ni des signes obstructifs. On va s'accorder qu'il y a trois approches thérapeutiques qu'il ne faut pas oublier. La première, c'est l'hygiène de vie. C'est ce qu'on appelle l'abstention thérapeutique, watchful, c'est l'hygiène de vie. Le deuxième volet, c'est un nouveau volet, c'est le traitement médical. Et la chirurgie qui reste en dernier recours, parfois ce sera le premier geste,
mais généralement, elles passent après un échec de traitement médical. Donc, de ce fait, 50% des malades auront un traitement médical et 10% devront se rabattre sur le traitement chirurgical. Comme vous avez, la vessie est un organe qui est trop bien innervé et il est constitué d'un muscle et on a un col qui est innervé par plusieurs nerfs. Et la pharmacologie de l'appareil urinaire repose essentiellement sur de la neuropharmacologie. C'est-à-dire le traitement va reposer sur de la neuropharmacologie, c'est-à-dire les molécules agissant sur la neurotransmission, et ce sont les traitements les plus connus. Soit de la voie afférente du cycle continence mixtion, végétatif ou somatique, soit sur le contrôle de messages afférents, soit sur la voie centrale. Donc, ces outils pharmacologiques vont atteindre la vessie dans sa phase de continence et de mixtion. Il y a des traitements qui vont agir sur la continence et la mixtion, parfois à l'urètre, dans sa phase de continence lui aussi et de la mixtion. Donc, on peut ainsi schématiquement distinguer deux grands types de traitements. Les agents amélioreront la phase de continence, soit en réduisant les urgenturies, en renforçant le tonus urétral ou parfois en réduisant la sécrétion des urines. Et des agents qui vont améliorer la phase de mixtion elle-même, et c'est le chef de file, c'est les alpha-bloquants, en réduisant les résistances urétrales et cervico-prostatiques ou en favorisant la contractilité vésicale. Schématiquement, on commencera par le chef de file qui sont les alpha-bloquants qui vont agir sur les récepteurs alpha. Ces récepteurs alpha, comme vous voyez ici, qui provoquent une relaxation des fibres musculaires lisses prostatiques et du col vésical en bloquant les récepteurs alpha-1A et alpha-1D. Et vous voyez que les alpha-1A sont très présents au niveau du col et au niveau de la prostate, ainsi que les alpha-1D. Si on bloque ces deux types de récepteurs adrénergiques, on aura une relaxation des fibres musculaires. Ces alpha-bloquants sur le marché ont une affinité variable pour ces deux types de récepteurs, ce qui va déterminer leur urosélectivité. C'est pour ça qu'il y a des alpha-bloquants non urosélectifs, il y a des alpha-bloquants sélectifs et il y a des alpha-bloquants urosélectifs. Et leur action, elle est rapide. Et les varie entre 6 et 48 heures. Et ça, c'est très important en pharmacologie. En inhibant ce récepteur alpha-adrénergique, on va réduire le tonus musculaire qui aura une action sur la composante dynamique de l'obstruction, mais aucune autre action sur le volume de la prostate. C'est une amélioration de 35 à 40% des scores de symptômes IPSS, augmentation du débit urinaire de 20 à 25% à 3 mois de traitement. Elle est rapportée par la majorité des alpha-bloquants existants sur le marché avec une bonne tolérance, avec des effets secondaires qui vont de troubles de l'éjaculation dans 10% des cas. C'est généralement pas des anéjaculations, c'est pas des éjaculations rétrogrades actuellement, c'est des anéjaculations par diminution de contraction des vésicules féminins. Les sensations vertigineuses qui sont la première cause d'arrêt du traitement et d'arrêt du traitement par les malades. Le risque d'hypotension orthostatique doit être bien considéré chez les gens fragiles et sous traitement cardiovasculaire. Donc, les formes sélectives à longue durée d'action, c'est-à-dire les LP prises uniques par jour, sont privilégiées aujourd'hui pour leur meilleure tolérance. On passe au deuxième traitement qui va essayer de diminuer la pression au niveau de la prostate, à savoir les inhibiteurs de la 5-alpha réductase qui vont bloquer la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone qui est l'hormone de croissance de la prostate, ce qui va provoquer dans la cellule stromale prostatique une apoptose cellulaire avec pour conséquence une réduction du volume de la prostate et ainsi diminution même du PSA. Il y a deux molécules sur le marché marocain, comme vous savez, qui se vendent séparément, les finastérides et la dutastéride. La différence entre finastéride, la finastéride, elle bloque le récepteur 5-alpha réductase de type 2 et le dutastéride, elle bloque les deux récepteurs. Mais sur le plan urologique,
l'action, elle est presque équivalente parce que c'est le type 2 qui est prédominant au niveau de la prostate. Ils ont une tolérance moindre que les alpha-blancos, à savoir que c'est un traitement qu'on peut considérer comme une hormonothérapie, comme la dysérection, les troubles de la libido, l'éjaculation, troubles de l'éjaculation, une gynécomastie dans 1 à 20% des cas. Ils ont une efficacité qui est supérieure au placebo qui est rapporté sur tous les symptômes avec amélioration de la symptomatologie urinaire, diminution du volume de la prostate, ce qui va améliorer les signes urinaires, augmenter le débit urinaire, diminution du volume de la prostate de presque 30% du tiers et diminution du PSA qu'il faut prendre en considération pour la surveillance ou le dépistage du cancer de la prostate. Il y a une efficacité, comme je vous ai dit, similaire des deux molécules, malgré que la dutastérie bloque les deux récepteurs, mais le deuxième, il est plus fréquent au niveau de la vessie. Et il faut les utiliser à long terme. Le délai d'action, il est loin, il est tardif, il est trop tardif, il est 6 à 12 mois de traitement. Mais c'est le seul traitement sur le marché qui a prouvé une diminution de risque de rétention aiguë d'urine sur la longue durée et diminution du recours à la chirurgie. Autre traitement visant à améliorer la phase de remplissage vésical en réduisant l'hyperactivité vésicale, à savoir les anticholinergiques qui vont diminuer les urgenturies, les fuites urinaires, la polacurie et plus ou moins la nicture. Leur action repose sur un effet important, c'est en bloquant les récepteurs muscariniques au niveau de la vessie qui vont et un effet anesthésique et myorelaxant, ce qui va donner à la vessie une relaxation. Il peut posséder une sélectivité pour un sous-type de récepteur différent, d'où il y a plusieurs traitements avec une tolérance qui est variable. On passe au deuxième mode, c'est les inhibiteurs de la phosphodiesterase, qui sont des inhibiteurs de la PDE5, qui sont des médicaments de la dysfonction érectile qui ont été prouvé une efficacité sur les signes du bas appareil, les troubles du bas appareil urinaire, en diminuant l'hyperactivité vésicale par le biais, probablement, de relaxation directe des cellules musculaires lisses de la prostate et du col et de l'urètre. Donc, ils vont permettre une diminution de la pression au niveau de la prostate, une meilleure vascularisation artérielle du bas appareil urinaire et une modulation de la voie afférente urétro-cervicale. Donc, il agit sur la transmission nerveuse. Tous les IPDE5, les trois qui existent ou quatre sur le marché, versus on améliore cette fonction, mais le seul, c'est le tadalafil qui dispose d'une AMM dans cette indication. Les extraits de plantes, ça reste un mode d'action qui est assez flou. Il inclurait une diminution de l'activité de 5-alpha réductase, diminution des facteurs de croissance, un effet anti-inflammatoire, un effet anti-androgénique. Elle est plus ou moins, la supériorité versus placebo n'est pas très bien établie sur le débit urinaire, d'où que l'EAU ne le recommande pas comme traitement, alors que l'AFU le recommande, mais avec un grade D sur les recommandations. On passe au dernier, c'est les bêta 3 agonistes. Dans le mode d'action et la relaxation sur la contraction du détrusor, par activation des récepteurs bêta 3 adrénergiques existants au niveau sous-urothélial et au niveau du muscle détrusor lui-même. Donc, il va inhiber l'action afférente lors de la phase de remplissage, donc il va relâcher la vessie et un effet relaxant sur le détrusor. Et il n'a aucun effet de relaxation ou inhibition de contraction sur le détrusor au moment de la phase mixtionnelle. On passe au dernier, c'est la desmopressine qui a un effet antidiurétique et qui a un effet surtout, on le donne pour les malades qui ont une nicturie associée à une polacurie avec ou sans polyurie nocturne, mais avec beaucoup de mais, c'est un traitement qu'il faut bien doser les effets secondaires, surtout chez les sujets âgés, c'est-à-dire non malades. Plus de 65 ans, il y a un grand risque d'hyponatrémie. Donc, il faut limiter les doses et les déconseiller s'il y a une insuffisance cardiaque, rénale ou traitement par n'importe quel autre diurétique.
Donc, on passe au vif de notre de sujet. Et le rationnel du traitement combiné vient de ces points d'action, c'est-à-dire les bêta-mimétiques, les anticholinergiques, les alpha-bloquants, les inhibiteurs de la 5-alpha réductase, les extraits de plantes, ont un effet chacun sur une partie de la continence et de la miction. Donc, le rationnel de traitement combiné ressort de que c'est que pour améliorer les symptômes urinaires, améliorer la qualité et ainsi améliorer la qualité de vie de nos patients, et on veut prévenir les complications de la miction. Oui. Donc, et la prévention des complications, donc on va améliorer nos malades, la qualité de vie de nos malades. Le rationnel vient de que si on associe deux traitements qui ont deux sites d'activité différentes, on aura plus d'effets positifs en essayant de diminuer les effets secondaires. Donc, on va s'asseoir sur les American Urologic Association, sur leurs recommandations, ainsi que surtout sur les recommandations de l'EAU de 2020 pour avoir une idée sur le traitement combiné. Deux études proposent le suivi à long terme, sont actuellement disponibles, associant alpha-bloquant, inhibiteur de la 5-alpha-réductase. Ils semblent mettre en évidence un avantage sur les signes du bas appareil urinaire en faveur de la bithérapie par rapport à la monothérapie, alpha-bloquant seul ou 5-alpha-réductase. La première, dans l'étude MTOPS, ou Medical Therapy of Prostatic Symptoms, où il y a association finastéride d'oxazosine, et c'est l'étude qui a le plus de recul, elle est de recul de 4,5 ans et demi, une association qui a montré une réduction significative du risque de progression de l'IPSS, de risque de rétention urinaire ou de chirurgie, d'environ 30% par rapport à chacune des monothérapies seules et de 66% par rapport au placebo. Donc, c'est quoi les... On va parler surtout sur la progression de l'hyperplasie bénigne. Il est défini par l'aggravation des symptômes, l'apparition de rétention aiguë d'urine, d'incontinence, d'infection urinaire ou d'apparition d'une insuffisance rénale. La deuxième étude, les résultats sur 4 ans de l'étude COMBAT qui a associé sur 4 ans associé Avodart avec de la tamsulosine, sur 4 ans avec une étude multicentrique randomisée avec double aveugle. C'est des patients qui ont un HBP plus de 50 ans, un IPSS plus de 12, prostate volume supérieur à 30, prostate le PSA entre 1,5 et 10 et le Qmax il est entre 5 et inférieur à 15. Avec au moins 125 cc de miction. Ils ont donné 0,4 mg de tamsulosine et 0,5 mg ou chacun seul. Donc la combinaison a été supérieure à la monothérapie en réduisant tous les risques, à savoir le risque de rétention aiguë d'urine ou le passage à la chirurgie. Et il y a une diminution de risque diminution des symptômes d'une monothérapie sur 4 ans de suivi. Donc, on peut conclure que l'association d'alpha-bloquants et d'inhibiteurs de la 5-alpha-réductase peut être proposée à des patients présentant des signes du bas appareil urinaire en rapport avec un HBP, mais avec une prostate de plus de 40 grammes, donc c'est-à-dire une grosse prostate. Mais lorsque la bithérapie est retenue, il faut signaler au malade que c'est un traitement au long cours, qu'il ne faut pas l'arrêter au moins pendant 2 ans. Mais sur d'autres études, ils ont essayé de faire un arrêt des alpha-bloquants à partir du 6e mois du traitement. La première étude qui est parue en 2003, ils ont arrêté le traitement après 6 mois
et ça n'a pas donné, ça n'a pas diminué l'effet. On a laissé le malade sous dutasteride seul. Sur une autre étude plus récente qui est apparue en 2008, ils ont donné un traitement combiné pendant 9 mois, puis ils ont arrêté et ils ont les mêmes effets. Donc, il n'y avait pas une détérioration de la qualité de vie des patients. Ce qui prouve qu'on peut commencer avec une bithérapie et à partir des 6e, 9e mois, arrêter la bithérapie et rester sous finastéride ou dutastéride seul. Mais il faut savoir que pour les grosses prostates, il faut attendre 1 année pour faire ce geste. Sur une méta-analyse qu'il y a de 5 études, l'efficacité et la tolérance de tamsulosine, dutastéride versus tamsulosine ont été étudiées sur l'IPSS, le Qmax, le résidu postmictionnel, le volume prostatique, la zone transitionnelle, le PSA. Et ils ont étudié même les effets secondaires, le dysfonctionnement érectile, le trouble éjaculatoire ou le libido. L'association est plus efficace et réduit l'obstruction par rapport à une monothérapie par alpha-bloquant seul. Certes, il y a plus d'effets secondaires, mais ils n'ont pas conduit à l'arrêt du traitement vu l'amélioration des malades. Le guideline de l'OAU, donc ils ont proposé à la lumière de ces 2 études MTOPS et COMBAT que l'association du traitement alpha-1 bloquant avec 5 alpha réductases pour les gens qui ont des signes modérés à sévères du bas appareil urinaire et un risque de progression prostatique, c'est-à-dire une prostate supérieure à 40 cc. Donc, vous voyez ici que c'est une recommandation de l'EAU de 2020, l'association pour tous les gens qui ont une prostate supérieure à 40 cc. On passe au deuxième mode, deuxième association, à savoir association alpha-bloquant anticholinergique. Sur une des méta-analyses, alpha-bloquant anticholinergique dit l'initiation du traitement, c'est-à-dire dès le début, pas à l'échec des alpha-bloquants comme on fait généralement. Dès l'initiation du traitement versus alpha-bloquant seul, sur 16 études, il y avait une amélioration de l'IPSS par amélioration des signes de stockage, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie, mais sans modification du Qmax et sans augmentation significative du résidu ni de risque de rétention aiguë d'urine. Parce que je vais vous expliquer, c'est qu'on avait tendance à ne pas donner des anticholinergiques aux malades qui ont un adénome de la prostate de peur de tomber dans la rétention aiguë d'urine ou dans le résidu postmictionnel important. Sur des études bien menées, il n'y avait aucun effet, aucun risque de rétention qui a été aggravé par l'adjonction des anticholinergiques, même sans alpha-bloc. Et j'ai vu plusieurs études, pour ne pas tarder ici, je ne les ai pas mis, plusieurs études qui parlent qu'il n'y a aucun effet. Vous pouvez les donner, surtout chez le malade, il a moins de 150 cc sur le résidu postmictionnel à la première échographie. Il n'y a aucun problème, aucun risque de rétention aiguë d'urine supérieure au alpha-bloquant seul. Donc, l'association alpha-bloquant anticholinergique, il est supérieur à la monothérapie par alpha-bloquant seul, surtout chez les malades qui ont des problèmes de stockage de l'urine. Une autre étude qui a pris 1 année, avec une prostate de plus de 30 grammes et des signes urinaires importants, le traitement associé il était bénéfique pour tous les malades. Donc l'association, là c'est une revue de tous les traitements, combinaisons de traitements anticholinergiques alpha-bloquants qui est paru en 2018. Donc, il y a une amélioration de l'IPSS, du débit urinaire, mais pas le Qmax. Combinaison thérapie impacte très peu sur le résidu post-mictionnel et sur le Qmax comparé à l'alpha-bloquant seul. Comme je vous ai dit, l'incidence de la rétention aiguë d'urine is a lower bound of study, c'est-à-dire il n'y avait pas de risque plus élevé. Et à long terme, il y a un bénéfice à utiliser les anticholinergiques si on les balance avec les effets secondaires. Donc, on aura un gain à utiliser les anticholinergiques en association avec les alpha-bloquants, surtout chez les malades qui ont
des signes urinaires associés de stock d'impériosité mixtionnée. Donc, les recommandations de 2018, eux aussi recommandent l'utilisation de Alpha 1 avec antimuscarinique, antagoniste des récepteurs muscariniques ou communément les anticholinergiques, pour les gens qui ont une atteinte modérée à sévère, avec des signes urinaires au moment du stockage, c'est-à-dire au moment du remplissage, s'ils ont ainsi, s'ils ne sont pas améliorés avec les alpha-bloquants seuls. Et il ne faut pas associer les deux traitements si le résidu post-mixionnel est de 150 ml. Il y a sur des articles américains, ils parlent de 200 ml, mais étant donné qu'on suit surtout les EAU, donc on va se limiter à 150 ml pour nous. Donc, l'association maintenant qu'on voit toujours sur nos ordonnances, c'est l'association des alpha-bloquants avec les extraits de plantes et surtout les séroniens repens ou le fameux permixant. Donc, j'ai vu une seule étude que j'ai pu aider. C'est une étude multicentrique, énorme étude où il y avait beaucoup, beaucoup de centres. Je crois qu'il y avait 14 centres qui ont fait cette étude. Et ils ont conclu à une amélioration des symptômes urinaires, amélioration de la qualité des vies avec une tolérabilité qui est vraiment acceptable. Mais le seul bémol de ce problème, c'est le prix du traitement qui va quadrupler. Là, c'est le résumé de ce que j'ai dit, mais la comparaison maintenant d'un alpha-bloquant avec le tadalafil. Donc, l'association a été étudiée sur une étude japonaise de 2017 sur 103 patients en échec après 4 semaines d'alpha-bloquant seul avec IPCS qui reste supérieur à 8. Ils ont été répartis en deux groupes. Une monothérapie versus silodosine tadalafil, et à 8 semaines, on a démontré la supériorité de l'association à la monothérapie sur tous les critères qu'on étudie. Et il n'y a pas eu d'effet secondaire supérieur, donc l'association alpha-bloquant tadalafil, il est acceptable et on peut l'utiliser surtout si le malade est associé à une dysfonction érectile importante. Sur une revue systématique, qui a fait une vraie étude, 158 articles qui ont paru de 2012 à 2018. Ils ont étudié beaucoup de paramètres et ils ont conclu à la combinaison la plus étudiée étaient les alpha-bloquants et les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase qu'il y a une nette amélioration. Et je vais voir qu'est-ce qu'ils ont dit pour les alpha-bloquants et anticholinergiques. Il y a amélioration des signes de stockage, aucune preuve statistique d'un risque accru de rétention aiguë d'urine, donc on peut l'utiliser sans aucun problème. Les études à long terme et les âges sont différents. Et il faut surtout surveiller les RPM chez ces malades. Les alpha-bloquants avec les bêta-3 adrénergiques, un seul essai japonais a montré une efficacité sur les signes irritatifs. C'est normal parce que le mirabegron est un traitement pour l'hyperactivité vésicale. Ils ont même étudié l'association des deux anticholinergiques et ça, qui ont des récepteurs muscariniques différents, surtout chez les sujets âgés, pour diminuer la dose des anticholinergiques qui provoquent des confusions, des démences et surtout la sécheresse buccale et muqueuse. Ils ont un effet synergique permettant de réduire ainsi les doses, mais cette étude a été limitée par le coût et l'observance thérapeutique. Les alpha-bloquants et la desmopressine. La desmopressine, on peut l'utiliser seule chez les malades qui ont une nocturie nocturne, une nocturie, mais sans polyurie. Et là, une grande efficacité sur la nocturie, et comme vous savez, et tous les urologues le sachent, c'est que beaucoup de malades viennent pour la nocturie, ils ne viennent pas pour les autres signes urinaires. Donc, il faut essayer de leur donner cette desmopressine, mais il faut surveiller l'hyponatrémie, surtout chez les sujets qui ont plus de 65 ans. De toute façon, c'est un traitement qui est prescrit pour les énurésiques. Il n'a pas d'AMM pour la prostate.
Pour les alpha-bloquants et les IP2E5, la tadalafil et le vardenafil, il y a amélioration significative de l'IPSS, Qmax et le score. Mais le problème, c'est que c'est des échantillons de petite taille et des suivis à court terme. Je vais vous résumer le conduite à tenir devant les symptômes dérangeants, c'est-à-dire symptômes du bas appareil urinaire, s'il y a des symptômes. S'il n'y a pas de symptômes, il y a des symptômes, mais pas très dérangeants, c'est la surveillance. Il faut surveiller, il faut donner des règles d'hygiène, à savoir la sieste l'après-midi, arrêt d'apport hydrique le soir, un peu d'activité physique, diminuer les signes de métabolique. S'il y a des signes, les symptômes sont irritatifs, avec une petite vessie, c'est les antimuscariniques, avec grande vessie, c'est les alpha 5 réductases, plus ou moins les antimuscariniques selon l'irritation et selon l'évolution du malade sous traitement seul, c'est-à-dire on peut l'ajouter après, sans aucun problème. Si les signes obstructifs sont les plus fréquents, on va étudier le volume de notre prostate. Si elle est petite, c'est l'alpha-bloquant. Si elle est grande, on peut associer 5 alpha-réductases et alpha-bloquant, petit ou grand, c'est 40 grammes. S'il y a oui ou non dysfonction érectile, on doit soit rien changer s'il n'y a pas de dysfonction érectile. S'il y a dysfonction érectile, on peut remplacer les alpha-bloquants par les inhibiteurs de la phosphodiestérase 5. Mais cette fois, j'ai oublié de vous dire que ces inhibiteurs de la phosphodiestérase 5, c'est la prise journalière, c'est-à-dire le tadalafil, le 5 mg, pas le 20 mg chaque jour, c'est le 5 mg tous les jours. L'association, l'American Urologic Association, a elle-même émis des recommandations. Et ça, c'est le résumé. S'il y a des signes d'obstruction et d'irritation, on va associer antimuscarinique et alpha-bloquant. S'il y a prédominance des signes de blocage et signes obstructifs, petite glande ou PSA très bas, on va donner des alpha-bloquants. S'il y a une grosse prostate, on va utiliser les alpha-bloquants, plus les 5 alpha-réductases. Et c'est presque la même chose pour le AU. Et c'est la même chose. Donc, en conclusion, je vais conclure que la thérapie combinée semble, et là, irrationnelle, et semble être une option prometteuse, vu qu'actuellement, que le prix des médicaments a diminué, et qui va optimiser l'efficacité des médicaments qui sont disponibles et qui ont des cibles d'action totalement différentes. C'est le rationnel de ce traitement combiné, c'est qu'ils ont des cibles différentes. Donc, on va attaquer deux cibles. Théoriquement et logiquement, on aura, et ça a été décrit, et ça a été confirmé et démontré par les études. Je vais vous montrer quelques études, il y en a des centaines. Et il faut privilégier une approche personnalisée. Actuellement, en 2020, il faut prendre l'avis du malade. Parfois, des malades ne veulent pas prendre beaucoup de médicaments. Donc, il faut toujours prendre une approche personnalisée. C'est l'image, c'est-à-dire comme un costume qu'on voit. La gestion des tubas en recherchant toujours un équilibre optimal entre efficacité et tolérance pour un patient donné. Et je vous remercie et je vous passe la parole. Merci, professeur Hashim, de cette présentation si intéressante, convaincante en plus et succincte, même si ça a pris plus de 20 minutes, mais c'est très intéressant. En tout cas. Je passerai la parole au professeur Rundel qui va débattre le pourquoi. Disons qu'il n'y a pas de rationnel à associer plus d'un médicament, plus surtout dans le traitement des hypertrophies vénéneuses de prostate. Et c'est à vous la parole, professeur Rundel. Je vais commencer, c'est Amr. Oui, vous pouvez commencer. C'est à vous la parole. Avant de commencer, je tiens à remercier le bureau du GRAMS pour l'organisation de ces controverses en urologie
qui certes font avancer la spécialité dans notre pays. Et je ne manquerai pas de remercier les laboratoires Saint-Pharma qui nous ont toujours accompagnés. Je suis content de débattre ce soir sur une thématique assez importante qui reste d'actualité, bien que vous avez vu avec le professeur Sayer que le débat a commencé il y a bien longtemps et qui continue donc à durer. Ce débat, si le débat me sépare de mon ami Hachem, je tiens à dire que Avicenne nous réunit, nous appartenons tous les deux à un hôpital qui porte le même nom et c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à cet illustre médecin que fait Ibn Sina, donc père de la médecine arabo-musulmane. Donc voilà. Ma mission aujourd'hui est de montrer comment on peut ne pas traiter de façon combinée. Comme ça a été dit par Hachem, je le remercie d'avoir choisi les recombes de l'OAU. Comme ça, moi j'ai travaillé sur la même plateforme et donc le débat ne peut être que très intéressant. Vous voyez que le traitement combiné est recommandé avec un fort niveau de preuve et vous sentez dans quelle difficulté je serai. Mais avant d'argumenter, j'aimerais partager avec vous certaines réflexions. Alors, est-ce qu'on est vraiment obligé de suivre les recommandations? C'est une question qui est revenue dans plusieurs spécialités. La question a été soulevée par le CTMH, que vous connaissez, le Comité de troubles nutritionnels de l'homme de l'AFU. Donc, c'est un comité qui, dans le dernier travail, remonte à 2012, où il a sorti la recommandation concernant le SBAU. Et deux ans après, ce comité a voulu tester quel était l'impact de ces recommandations. Et donc, tous les urologues français ont reçu un courrier électronique, soit 1141, et seulement 19% avaient répondu au questionnaire présenté. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Donc, seul un cinquième des urologues ont répondu. Et sur les 19% qui ont répondu, seulement 73%, les trois quarts, avaient dit avoir lu les recommandations. Et sur ceux qui ont lu, tous ne les respectaient pas, 75%. Et seulement, comme vous voyez là en bleu, 11% seulement suivaient les recommandations de façon systématique. Ces recommandations intéressaient aussi bien le diagnostic que le traitement et pour ne rester que dans ce qui nous concerne, en l'occurrence le traitement et les associations médicamenteuses devant l'HVP. Nous trouvons que les urologues français associent les alpha-bloquants et les inhibiteurs 5-alpha-réductase au même titre que l'association alpha-bloquant antimuscarinique. Et on rencontre que c'est une pratique qui n'a jamais été recommandée, comme ici en marron, l'alpha-bloquant avec un extrait de plante ou alors l'alpha-bloquant avec le l'IPDE5. Donc, interrogé sur leur attitude, beaucoup ont répondu que ça ne correspond pas à leur conviction ni à leur expérience personnelle. Ceci est universel. Nous continuons à voir sur des ordonnances des extraits de plantes, plus des fois même nous avons vu deux alpha-bloquants associés et on ne peut rien reprocher à personne. Donc, ce phénomène est universel. Cabana, en 1999, a fait une enquête auprès de praticiens de diverses spécialités sur le degré de respect des recommandations et 40% des Américains praticiens ne respectent pas les recommandations et ils avancent les mêmes arguments vu leur expérience, vu leur conviction scientifique. Ils ne sont pas toujours prêts à gober ces recommandations. Ça, c'était juste pour l'introduction et j'espère que ça va me faciliter la tâche et me permettra de vendre mon raisonnement. Mais il faut argumenter. Alors, je déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt. La méthodologie que j'ai adoptée pour débattre, j'ai pensé au départ qu'en consultant les publications de haut niveau de preuve dont les résultats ne vont pas de faire avec les recommandations MEDRE, je n'ai pas trouvé beaucoup. Alors, ce que j'ai fait, j'ai sorti tous les articles cités en référence dans le bouquin de l'OAU. Je les ai relus de façon critique, de façon à dégager des biais. Hein, c'est des articles princeps et je suis content que la plupart des articles ont été traités par mon ami Hachem. Comme ça, on va travailler sur la même plateforme. Je traiterai de façon successive l'association alpha-bloquant inhibiteur de la 5-alpha, réductase, l'association alpha-bloquant anticholinergique. Je vais montrer que les inhibiteurs de la phosphodiesterase 5 n'ont peut-être plus de place en association, peut-être même pas de place. Alors, commençons par l'alpha-bloquant inhibiteur de la 5-alpha réductase. Les anciens essais qui remontent à plus d'une vingtaine d'années qui avaient pour objectif de montrer la réduction des symptômes sous association, ils ont montré que l'alpha-bloquant était
supérieur au 5-ARI et les traitements combinés n'étaient pas supérieurs à l'alpha-bloquant en monothérapie. C'est vrai que c'est des études qui sont anciennes et le suivi était assez court, 6 à 12 mois, et donc il fallait des études avec une observation de assez longue, un recul assez long, 4 à 5 ans, et c'est la classique étude MTOX détaillée par Hachem, donc 4 ans de suivi, avec comme objectif principal la progression clinique globale, c'est-à-dire l'augmentation d'au moins 4 points dans le score, la rétention d'urine, l'insuffisance rénale et l'infection urinaire récidivante, quoique la définition ne correspond pas à celle que l'on retient, pour eux, c'est plus 2 infections par an. D'accord ? Il y avait aussi des objectifs secondaires, tels les variations de Qmax, l'anisène traitement invasif, les variations du PSA et le volume prostatique. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent ? Ils trouvent qu'après 5 ans de surveillance, la combinaison ou le traitement combiné fait mieux que l'alpha-bloquant tout seul ou que le 5-ARI tout seul, mais il faut quand même attendre un an pour voir cet écart se creuser, pour pouvoir favoriser le traitement combiné par rapport à la monothérapie. Et Dieu sait que nos patients ne peuvent pas attendre, des fois c'est nous-mêmes, on ne peut pas attendre un an avant de proposer une alternative thérapeutique, en l'occurrence un geste rapide, une résection. Là-dessus toujours, pour la rétention aiguë d'urine, nous voyons que l'association fait de la même façon que le finastéride, donc autant prescrire, si notre objectif est d'éviter la rétention aiguë d'urine, pourquoi ne pas proposer un traitement par 5-ARI au lieu de la combinaison, du traitement combiné que, vous savez, va majorer les effets secondaires. Maintenant, pour le recours à la chirurgie, là encore, le finastéride fait de la même manière que le traitement combiné. Donc, on opère moins sous finastéride comme sous traitement combiné, autant garder que le finastéride tout seul. Là, concernant l'évolution du PSA, sous finastéride, nous allons parler de l'étude de PCPT tout de suite, où nous constatons que, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, le PSA augmente de plus de 15% sous placebo, 13% sous doxazosine toute seule après 4 ans. Mais après 4 ans, le PSA est réduit de moitié sous finastéride, autant que sous traitement combiné de façon non significative. Et donc le traitement combiné, tout comme le finastéride tout seul, va donc exposer aux difficultés de surveillance du PSA et du dépistage du cancer de la prostate, comme le montre ici l'étude PCPT, le fait de prolonger le traitement sous finastéride, soit en monothérapie ou en association, ça augmente le risque de développer des cancers de haut grade. Et toujours, comparaison de la bithérapie monothérapie, on constate que seuls les prostates qui ont un volume de plus de 40 grammes vont bénéficier sur le plan score IPSS de l'association. Mais curieusement, quand on revient au design ou aux données démographiques de l'étude, nous trouvons que le volume moyen des prostates étudiées dans MTOX ne dépasse guère 31 grammes, c'est-à-dire peu de patients ont un volume prostatique qui dépasse les 40 grammes et je me demande où est-ce qu'ils sont allés chercher ces patients. Donc, recommander la bithérapie pour des patients avec une prostate de plus de 40 grammes, je veux bien, mais ils ne sont pas dans l'échantillon de l'étude. Et pour les effets secondaires, bien sûr, c'est un effet cumulatif. Il y a donc une majoration des effets secondaires de l'alpha-bloquant et de la 5-alpha-réductase. Et il faut savoir qu'au terme de cette étude, près de 1 patient sur 5 ont arrêté le traitement à cause des effets secondaires. Alors, pour terminer avec cette association, ça a un prix, hein? Nous avons beaucoup de patients qui ne peuvent pas s'acheter le finastéride ni le dutastéride, d'accord? Et je vous laisse méditer cette plaque qui est sortie dans le même article pour prévenir un seul cas de rétention aiguë d'urine ou un seul recours à la chirurgie. Il faut pendant 4 ans traiter un patient par bithérapie. Donc vous voyez combien on peut gagner en proposant une résection qui ne va pas coûter plus de 3 mois de traitement médical. Alors, si je suis arrivé à vous convaincre, je crois que c'est toujours possible d'arrêter l'alpha-bloquant après une initiation par traitement par bithérapie. C'est le propos de cet article qui montre donc le design d'étude est le suivant. Donc après 24 semaines de traitement associant donc dutasteride et tamsulosine, après 24 semaines, les patients sont randomisés entre un groupe qui va continuer la bithérapie et un autre groupe qui va ne garder que la dutasteride. Alors, interrogé à 30 semaines,
Les patients qui étaient sous bithérapie, c'est le DT36, sont au moins, 91% des patients sont au moins, ils ont au moins la même symptomatologie qu'avant. Et alors que les patients chez qui on a arrêté l'alpha-bloquant, on constate quand même que 77% ont gardé le bénéfice clinique. D'accord ? Et quand on compare ces résultats par rapport au score IPSS initial, on trouve que les patients qui étaient très gênés, peu gênés avec un IPSS inférieur à 20, vont garder ce bénéfice jusqu'à 36 semaines contre les patients qui avaient donc un score IPSS supérieur à 20. L'article cité par mon ami Hachem, mais moi je vais le lire différemment, c'est-à-dire après un traitement de 6 mois par une association, cette équipe canadienne, on va se dire multicentrique, multicentre, ils ont arrêté l'alpha-bloquant au bout de 9 mois. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent qu'au bout de 12 mois, c'est-à-dire 3 mois après l'arrêt de l'alpha-bloquant, le bénéfice clinique ou l'état clinique s'est dégradé de façon assez significative. Et ce n'est pas pour autant qu'ils ont introduit ou réintroduit l'alpha-bloquant. Ils ont attendu un petit peu. Et au bout de 6 mois supplémentaires, c'est-à-dire à 18 mois, nous ne voulons pas que de façon non significative, c'est-à-dire que les patients ils vont reprendre le confort, le bénéfice clinique par le seul inhibiteur de la 5-alpha-réductase, en l'occurrence le finastéride. Voilà, je pense que l'association n'est pas pour tout le monde, alpha-bloquant plus inhibiteur de 5-alpha-réductase. Il faut donc choisir des patients bien particuliers à qui il faut prescrire. Je passe maintenant à l'association alpha-bloquant et anticholinergique. Je pense que le rationnel de l'indication des antimuscariniques passe par une meilleure compréhension de la physiopathologie. Ça a été très, très bien détaillé par Hachim, je l'en remercie. Donc, je passe rapidement, je rappelle juste que la surcharge fonctionnelle de la vessie induit une hypertrophie de la paroi vésicale du fait de l'obstacle, à laquelle s'associe de façon progressive une dénervation vésicale, une hypoactivité, puis une hyperactivité. Et c'est là que les anticholinergiques vont trouver leur indication. L'étude Saturne, qui a donc étudié l'association solifénacine-tamsulosine versus l'association dans l'amélioration des symptômes, qu'est-ce qu'elle trouve cette étude? Alors, elle a été donc programmée ainsi. Patients randomisés en 8 groupes, placebo, solifénacine à 3 dosages, 3, 6 et 9 mg, puis un groupe tamsulosine et 3 bras avec tamsulosine plus les 3 dosages, 3, 6 et 9 mg. Les résultats sur l'IPSS global, ils ont montré donc une amélioration, mais de façon non significative. Cette amélioration a porté sur des troubles de remplissage, d'accord, mais ça n'a pas touché l'IPSS, le sous-score de vidange. Alors, quand on revient aux critères d'inclusion, les auteurs parlent d'une amélioration des signes de remplissage, alors que le critère principal d'inclusion était les troubles strictement obstructif. Les patients avec des troubles de remplissage minimes, ces patients avaient des troubles de remplissage assez minimes, moins d'épisodes disjonctifs par 24 heures et moins de mixants par jour. Et ce n'est pas vraiment la cible qu'on cherche à donc, traiter par une association, par un anticholinergique. Donc c'est un biais très énorme à prendre en considération quand on va lire cet article. L'étude Neptune avec son extension Neptune 2, vous connaissez l'étude Neptune et Neptune 2, Neptune 2 par rapport à 1, c'est de vérifier la constance du bénéfice obtenu par l'association dans le temps. Alors le design de Neptune est le suivant, donc après 12 semaines de traitement, les 4 bras placebo, tamsulosine, association avec 6 mg de solifénacine et 9 mg, tous les patients ont donc pendant 4 semaines reçu une association de 6 mg plus de tamsulosine, puis pour jusqu'à 52 semaines, on a laissé le choix aux patients de choisir, de soit ils sont tous restés sous bithérapie et ils avaient la possibilité d'eux-mêmes, de leur propre initiative, soit de baisser la dose de 9 à 6 mg ou de l'augmenter de 6 à 9 à chaque visite, chaque fois qu'ils se trouvaient non améliorés ou gênés par les effets secondaires. Quels sont les résultats? À la sixième visite, 23% des patients ont dû augmenter la dose parce que le 6 mg n'était pas efficace à leurs yeux. Et à la septième visite, 21% des patients qui avaient baissé la dose l'avaient réaugmenté à cause, qui avait augmenté, l'avait rabaissé à cause des effets secondaires. Et à la fin de l'étude, soit à 52 semaines, 75% des patients étaient sous solifénacine 6 mg et 25% sous
9 mg. Cette courbe montre bien sûr que l'IPSS a été nettement amélioré chez ces patients vers 9 points. Donc les patients ont gagné 9 points en IPSS. Je rappelle juste que pour avoir parlé de l'amélioration moyenne, il faut gagner 3 points en IPSS et amélioration importante, il faut gagner 8,8 points. Donc pour dire que ces patients ont été nettement améliorés. Maintenant, quant à ce qu'on appelle le total urgentiaux et infrequency, c'est-à-dire en fonction des signes d'irritation, il y avait également une nette amélioration de ce score. Maintenant, on va critiquer ces résultats. Ces résultats, en fait, ne peuvent pas être considérés comme ça pour la simple raison qu'il manque un bras placebo. Les patients n'ont pas été comparés à un bras placebo, c'est-à-dire sous tamsulosine tout seul. Et aussi, on a laissé les patients à leur libre choix de passer entre 3 et 6 mg. Et on ne sait pas si c'est le 6 ou le 9 mg qui a permis donc cette stabilité des effets secondaires, de l'efficacité, ou alors c'est l'alpha-bloquant dans la première partie de Neptune 1. Ça a été aussi présenté par HM. C'est la plus grande méta-analyse regroupant donc 16 essais randomisés contrôlés d'études d'associations d'un alpha-bloquant et d'un anticholinergique. Là, je m'excuse de la non-clarté de cette diapo. C'est juste pour vous montrer les 16 études en entier. Et donc, on note que seulement 2 anticholinergiques ont été testés sur 16 études. Et 2 alpha-bloquants, la tamsulosine et la doxazosine. Et comme vous pouvez le constater, seulement sur 3 études, il y avait un bras placebo. Sur 13 études, il n'y avait pas de bras placebo. Et donc, la pertinence statistique de cette méta-analyse est, dans mon sens, très, très critiquable. Et élément important, c'est que sur ces études, les patients étaient, les troubles irritatifs n'étaient pas dominants, alors que c'est les signes qu'on cible par ce traitement par anticholinergique. Élément important également, une faible surveillance, 12 semaines. Alors, Hashim a parlé d'un traitement continu d'au moins 2 ans pour vraiment sentir l'efficacité. Là, c'est très court, 12 semaines, 3 mois. Élément important également, aucune de ces études n'a évalué de façon objective l'effet de ce traitement combiné, c'est-à-dire l'évaluation a été faite sur l'IPSS et pas sur le Qmax ou sur le volume résiduel. C'est le propos de cette étude publiée en 2013, d'accord ? Elle est publiée en 2013 et qui n'a pas été inclue dans la méta-analyse de Kim. Kim a publié sa méta-analyse en 2015 et cet essai, le seul à avoir testé l'effet de la combinaison de façon objective, la tamsulosine plus solifinacine 6 mg plus 9 mg versus placebo de façon objective. Je me demande pourquoi cette étude, qui est donc un essai contrôlé, randomisé, n'a pas été inclue dans la méta-analyse. Les objectifs sont très clairs. Les variations à 12 semaines du début maximum de la pression volume, avec comme objectif secondaire également ce qu'on appelle le BCI, c'est-à-dire le bladder contractile, l'index de contractilité physicale, et le BVE, c'est-à-dire la contractilité physicale sur la résistance, et le résidu post-mixionnel a été mesuré au départ à 2, 4, 8 et à 12 semaines. Donc, il y avait des modifications qui n'étaient pas en faveur de l'association, et je vais ne retenir que ce qui nous concerne en pratique, à savoir le Qmax et le volume résiduel. Pour le Qmax, vous notez que le Qmax, les patients n'ont pas beaucoup gagné avec la tamsulosine tout seul ou l'association. Le Qmax, le gain n'a pas dépassé 3 ml par seconde. Rappelez-vous, c'est vraiment critère pour parler d'une bonne amélioration. Et cet effet est maintenu dans le temps. Alors que concernant le volume résiduel, après avoir amorcé une baisse du volume résiduel jusqu'à 8 semaines, ce volume résiduel a commencé à augmenter, exposant donc le patient au risque de rétention et d'infection urinaire. C'est pas pour rappeler que le risque d'infection urinaire est proportionnel au volume résiduel. Donc c'est pour les infections nosocomiales, mais j'ai trouvé que ça peut être intéressant pour illustrer cette idée. Élément qui peut paraître en marge de notre discussion, mais à mon sens paraît très intéressant. Dans cet hôpital de la région parisienne,
au service des urgences, a été réalisée une enquête sur les médicaments qui induisaient une chute chez les patients âgés. Et quand je dis chute, ça veut dire fracture du fémur, trauma crânien, fracture du col. Donc, c'est tout aussi important. Ils ont essayé de savoir quels étaient les médicaments qui induisaient ces chutes chez les patients âgés. Et sur 28 médicaments listés, 6 avaient des propriétés anticholinergiques. Donc, je crois qu'il faut tourner. Donc, il faut vraiment réfléchir avant de prescrire un anticholinergique à ces patients qui sont, vous le savez tous, des patients âgés. Alors, est-ce qu'on va prescrire des anticholinergiques à tout le monde? C'est l'idée que s'est posée donc ce groupe de l'AFU. Ils ont donc essayé de voir quels patients seraient potentiellement, vont répondre potentiellement à l'anticholinergique. Comme ça, pas d'anticholinergique pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Après avoir inclus plus de 800 patients, 400 avaient donc des données disponibles. Les patients étaient sous anticholinergiques avec la solifénacine, donc 32% des cas, et le quart des patients étaient sous alpha-bloquant. Alors, ils ont analysé un certain nombre de questionnaires de l'USP, l'incontinence, l'hyperactivité, la dysurie, un questionnaire sur la qualité de vie, le Dutrovie que vous connaissez, et un questionnaire, et ceci est le plus important, de la perception de la sévérité de syndrome. Ils ont appelé ça le GPII, c'est-à-dire cette impression d'avoir bien évolué. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent que l'ensemble des paramètres ont été donc améliorés, bien entendu, au bout de 3 mois, de façon assez significative. L'évolution du score de qualité de vie a été améliorée. Par contre, le score PGI, c'est-à-dire cette impression d'avoir évolué, on note que près de 65% des patients, donc 20 plus 45, se sentent alors beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux ou beaucoup mieux. Et les autres n'ont pas été améliorés. Quand je dis non améliorés, donc une amélioration de moins de 50%. Ceci a permis de classer les patients en 2 groupes qu'on appelle des clusters. Et quand on compare ces clusters, c'est-à-dire quand on avant le traitement, on revient à la case départ, et on trouve que tout oppose ces 2 groupes de patients. Les patients qui avaient mal répondu, c'est des patients plus âgés, c'est des patients qui sont en surpoids ou obèses, c'est des patients qui viennent en général d'un milieu rural, mais cette donnée n'a pas été exploitée, c'est des patients qui avaient un cancer de prostate peut-être dans la famille ou associé, et également, de façon significative, c'est des patients qui avaient une incontinence associée, et de ce tableau, ils sont sortis avec un certain nombre de critères prédictifs de la mauvaise réponse, c'est-à-dire chez ces patients-là, dysuriques ou qui ont trouble de vidange, il ne faut pas prescrire les anticholinergiques parce que ces patients ne vont pas répondre. Qui sont-ils? Ce sont des patients qui se trouvent très anciens, qui ont un âge avancé, des patients obèses, des patients qui ont des traitements concomitants ou alors qui ont une incontinence par urgentirie concomitante. Je passe au troisième et dernier volet de mon exposé, les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. HMA a bien rappelé donc la physiopathe. Je rappelle juste que l'ensemble des mécanismes interviennent, notamment vasculaires, le monoxyde d'azote et le GMPC interviennent par l'intermédiaire d'une enzyme mère clé, c'est le PDE5, qui est donc réparti au niveau de tout l'arbre luminaire ou de la vessie, du col, de la prostate, du rein, et même au niveau des vaisseaux. 4 mécanismes physiopathologiques expliquent donc l'association troubles HVP et dysfonctionnerie, mais ils sont à la base de la prescription médicamenteuse. Il y a une altération de la voie monoxyde d'azote et GMPC, une élévation du signal ROCK-ROA, une hyperactivité automatique et une athérosclérose des vaisseaux pelviens. Ces éléments vont concourir donc à une des altérations du tissu au niveau des organes pelviens et aboutir à des troubles de type HVP, symptômes HVP et dysfonction érectile. Il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur inflammation associé et le désordre hormonal qui peuvent donc majorer ces effets. Tout ça pour dire que tout traitement des SBRU doit avoir un impact sur la fonction sexuelle. Ça, c'est un constat qui émane de 4 théories qui ont été démontrées et validées. Cet effet peut être positif comme il peut être négatif. Voyez avec moi ce graphique qui montre les effets secondaires d'un traitement de la dysfonction érectile sur d'un traitement alpha-bloquant ou traitement de HVP sur la fonction sexuelle. On note qu'il peut y avoir une altération dans la libido, l'éjaculation, des troubles d'éjaculation avec notamment le silodosine, la tamsulosine ne fait pas moins,
Donc, aussi, il peut être incriminé. Nous avons beaucoup de patients qui rapportent des troubles d'éjaculation avec tamsulosine, au moins pendant les deux premiers mois, et la dysfonction érectile. Donc, quand on compare maintenant les différents inhibiteurs de la 5-phosphodiestérase et leur impact sur les symptômes de base appareil urinaire, on note donc un effet franche par rapport au placebo, et c'est encore plus franche avec pour le tadalafil, qui est donc le seul à avoir obtenu l'AMM, que ce soit en 5 ou en 10 mg, à partir de la 6e semaine, le 5 mg fait aussi bien que le 20 mg, et c'est ça, je rappelle donc, c'est cette diapo est à la base de l'AMM, le tadalafil, dans le traitement des symptômes du base appareil urinaire. Cette méta-analyse qui inclut 4 essais randomisés, qui va donc comparer le tadalafil contre placebo chez les patients sexuellement actifs, et on cherche les effets sur les symptômes du bas appareil urinaire et la dysfonction érectile, et on voit que l'ensemble des paramètres ont été améliorés, l'IPSS global, le stockage de vidange, la qualité de vie et la sexualité, et ce, de façon assez significative. Maintenant, quand on compare ces résultats par rapport au sous-groupe de patients en fonction de leurs symptômes du bas appareil urinaire, on note que de façon significative, la fonction érectile est améliorée quel que soit le score IPSS. Et par contre, quand on fait l'inverse, on analyse l'effet du tadalafil chez les patients en fonction de leur dysfonction érectile, on montre que seulement les patients qui avaient une dysfonction érectile modérée à sévère vont voir leur IPSS s'améliorer et pas les patients avec une fonction érectile, une dysfonction faible. Et alors que dans les recommandations, quelle que soit la fonctionnalité, donc on peut déjà d'emblée des recommandations de l'ERU exclure cette catégorie de patients qui n'ont pas de troubles sexuels importants. Maintenant, l'évaluation de façon objective de tadalafil sur le Qmax, on note que le Qmax après 12 semaines s'améliore de façon significative entre le placebo et le tadalafil, mais de façon très faible, on ne gagne que 1,8 points après 12 mois de traitement. L'amélioration porte sur l'IPSS global dans cette étude, surtout chez les patients avec un Qmax qui dépasse les 15 litres par seconde, les patients qui ne sont pas très symptomatiques vont s'améliorer. Et quand on analyse le sous-score IPSS, on note que c'est seulement les patients qui ont un IPSS de vidange élevé qui vont donc s'améliorer sur le plan symptomatique. Donc, le tadalafil, pas pour tout le monde, comme le disent les recommandations, on peut déjà, à ce stade, exclure les patients qui ont des signes de remplissage dominant. Ils ne vont pas bénéficier du tadalafil sur l'effet tadalafil sur leur Qmax. Je vais que rappeler que les effets secondaires sur le tadalafil à prendre en considération au moment de la prescription. 27% des patients auront au moins un effet secondaire. 3% des patients vont arrêter le traitement à 12 semaines. Là, un élément important, cette diapo, moi, je pense qu'elle est assez importante, puisque la majorité de nos patients se situent là. Ils ont plus de 50 ans et vous savez que la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire dépasse 50% à 50 ans. C'est le propos de cette étude. Qu'est-ce qu'il en ressort? Les patients sous tadalafil avec des facteurs de risque et de comorbidité, qu'ils aient donc un IPSS supérieur à 20 ou inférieur à 20, ce n'est pas un problème. Qu'ils soient sous hypolipémie, ce n'est pas un problème. Qu'ils aient une cardiopathie, ce n'est pas un problème. Mais par contre, ce qu'il faut donc prendre avec attention, c'est les patients qui ont plus un antihypertenseur et qui, vous savez, tout comme moi, que beaucoup de patients ont des associations médicamenteuses de l'hypertension qui sont maintenant à la mode. Il faut faire attention, ces patients ne vont pas bénéficier du tadalafil sur l'amélioration du score IPSS. Maintenant, IPDE5 ou alpha-bloquant, le tadalafil fait de la même façon que la tamsulosine sur l'IPSS. Par contre, ils font mieux que le placebo concernant le Qmax, mais cette étude, la seule disponible, n'a pas la puissance nécessaire pour pouvoir les comparer les deux molécules entre elles. Est-ce qu'on peut préconiser l'association IPDE5 alpha-bloquant plus versus alpha-bloquant tout seul? C'est le propos de cette revue systématique et qui montre, et je vais finir, qui montre que l'association
fait mieux peut-être que l'alpha-bloquant tout seul, mais seulement concernant l'IPSS, alors que le Qmax ne s'améliore que très peu et la fonction sexuelle, encore moins, sous alpha-bloquant et sous association. Voilà, en conclusion, le traitement combiné, je suis bien d'accord, mais il faut donc choisir la bonne indication et je reviens aux recommandations. Ce n'est pas le code pénal, ce n'est pas le Coran, on peut faire écart à ces recommandations avec, vu notre bon sens et l'expérience personnelle. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Rundel, de cette présentation, elle aussi convaincante. Donc, on est dans l'embarras total. Peut-on associer donc, plusieurs médicaments pour traiter le pétrovigain de la prostate ou rester uniquement sur un traitement unique ou un alpha-bloquant ou un inhibiteur de la 5-alpha-dictase. Je passe la parole au professeur Ben Atria et également au professeur Nouni qui vont modérer cette réunion. À vous la parole, professeur Ben Atria et professeur Nouni. Nouni. Très bien. Je remercie M. Aqira et le laboratoire Saint-Pharma de m'avoir invité pour se réunir avec mes amis et débattre un sujet très intéressant. Je pense que nos deux orateurs étaient très convaincants, mais je pense qu'on peut sortir avec une petite conclusion qui est simple, il faut tout simplement personnaliser le traitement. Et c'était la conclusion de CRHM. De toute façon, à mon avis, il faut au maximum essayer d'éviter l'association. L'association va augmenter le coût, bien sûr, et les effets secondaires. Mais il y a des situations où on est peut-être obligé d'associer deux médicaments pour traiter cas par cas, à mon avis. En ce qui concerne l'association, je pense la plus plausible et logique, c'est l'association à l'alpha-bloquant qui constitue le pilier le plus important dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, efficacité rapide, mais aussi les inhibiteurs de 5-alpha-réductase, dans les cas, bien sûr, bien choisis. Ce sont des patients chez qui on peut éventuellement éviter une rétention, éviter une intervention chirurgicale, malgré que le taux n'est pas très important. Surtout, c'est le poids de la prostate est supérieur ou égal à 40, dans d'autres articles pour le dutastéride, c'est supérieur à 30, donc en 30 et 40, on peut l'utiliser. Donc, et éventuellement, pour aboutir, pour arrêter, dans 6 à 12 mois, les alpha-bloquants. Il n'y a aucune raison de les associer à vie, parce que s'il faut les associer à vie, c'est très probablement c'est l'un ou l'autre qui est efficace. Donc, à un certain moment, il faut arrêter les alphas, continuer avec les inhibiteurs de 5-alpha-réductase et voir si les 5-alpha-réductase est largement suffisant et le patient, il n'y a pas de changement sur le plan symptomatique IPSS et sur le plan de la dibimétrie, on continue. À mon avis, sinon, il faut arrêter les inhibiteurs de 5-alpha-réductase et laisser les alpha-bloquants. Donc, je pense qu'il faut aboutir à la fin à une monothérapie, si c'est possible. Donc, pour les associations actuellement qui sont actuellement fait beaucoup d'études, il y a aussi une publication récente dans le journal européen sur l'association des alpha-bloquants et les inhibiteurs de 5-phosphodiesterase. En principe, aussi, il faut personnaliser le traitement. Si un patient qui était sous alpha-bloquant
et qui souffrent aussi d'une insuffisance érectile, je pense qu'il faut passer, arrêter les alpha-bloquants, passer aux inhibiteurs 5-phosphodiestérase. S'il n'y a pas d'amélioration, il y a une association. On peut faire l'association. Heureusement, selon la dernière étude publiée en 2020, donc il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires et c'est une association qui est bien tolérée. Je pense, si on voudrait éventuellement, chez un patient qui ne répond très mal à un alpha-bloquant et on voudrait avoir une réponse plus rapide, peut-être il faut faire cette association. Peut-être avec le temps, il n'y a pas assez de recul, mais on va voir ce que les études vont donner après. L'association avec les anticholinergiques et les bêta-mimétiques, je pense pour les patients chez qui il y a une prédominance des symptômes irritatifs, je pense qu'il faut les utiliser, mais avec beaucoup de prudence. Parce qu'il s'agit de sujets âgés. Les anticholinergiques, ils ont des effets sur le système cardiovasculaire. J'ai eu beaucoup d'expérience avec des gens, sachant que l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est une maladie du sujet âgé. Donc, si on fait une association avec beaucoup de prudence, si on veut éventuellement l'éviter, il faut l'éviter. S'il n'y a pas de réponse, bien sûr, avec un alpha-bloquant, on peut éventuellement associer, sachant qu'il faut bien sur le patient, sur essentiellement, bien sûr, sa dévimétrie et essentiellement l'évaluation du résidu post-mictionnel. L'association avec la desmopressine, je pense, chez le sujet âgé, il faut l'éviter. Il faut savoir, je pense que la principale indication, c'est la polyurie nocturne. Peut-être il améliore éventuellement, même pour le sujet qui ne présente pas cette éventualité, cette association, c'est-à-dire la polyurie nocturne, mais elle est relativement dangereuse pour les sujets âgés. Donc, je pense l'objectif dans la prescription, il doit être d'une façon préférentielle, une monothérapie, une association cas par cas, et peut-être il ne faut pas les associer à vie selon la situation et selon la réponse. C'est peut-être mon point de vue, je ne sais pas ce que si Nwini pense. Alors, d'abord, à mon tour de remercier l'équipe du professeur Akera qui a organisé cet intéressant débat et le laboratoire Sun Pharma. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étendre parce que beaucoup ont été dit. Je crois quand même qu'il faut toujours se souvenir que nous avons affaire à des patients âgés. Et chez les patients âgés, la première chose que vous diront les gériatres, c'est qu'il faut limiter au maximum la multiplication des médicaments. Parce qu'après, on ne contrôle plus les effets secondaires. Déjà, un médicament, ce n'est pas facile à contrôler. Dès qu'on rajoute, c'est difficile. Donc, il me semble que la base, ça doit être le traitement, la monothérapie. Maintenant, effectivement, et ça a bien été montré ce soir, eh bien, il y a des cas où la monothérapie ne marche pas. C'est là, effectivement, qu'il faudra commencer à essayer un petit peu de jouer pour voir si on peut améliorer symptomatiquement les patients. En sachant toujours qu'effectivement, chez ces patients âgés et chez les patients de manière générale, on va, à mon sens, toujours éviter d'avoir recours à la chirurgie. Hein, plus on va retarder la chirurgie, mieux ça va être, à mon sens. Voilà, donc je pense que, à mon avis, je pense que le traitement est un traitement monothérapie de prime abord. Maintenant, bien, parfois, c'est vrai, des patients qui ont plus de problèmes d'irritabilité vésicale ou d'urgenturie, il va falloir utiliser avec précaution les anticholinergiques. Il est très tentant peut-être d'utiliser cette association qui a été préconisée depuis longtemps, des alpha-bloquants plus les inhibiteurs, la 5-alpha-réductase, effectivement, quand on a des prostates de gros volume, d'autant plus qu'on sait que souvent les prostates de gros volume ont tendance à avoir un facteur irritatif ajouté, hein, peut-être par l'effet de masse au niveau de la muqueuse vésicale. Alors, je voudrais peut-être qu'on passe aux questions des observateurs, enfin de nos confrères qui sont dans la salle, mais pas dans la salle, qui sont chez eux dans l'ordinateur. Alors une question, la dysfonction érectile secondaire au niveau de la 5-alpha-réductase est-elle réversible?
Oui, il me semble que quand on arrête les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, c'est un traitement hormonal. Quand on va supprimer cette stimulation, eh bien, la dysfonction rectile va régresser. Alors, bien sûr, toujours faut-il que le patient ait déjà eu une fonction rectile normale avant la prise du traitement. Deuxième question. Mais généralement, c'est pas immédiatement. Excusez-moi. Dès l'arrêt des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les patients quand même gardent une dysérection qui est résiduelle. Pendant plusieurs mois. Oui, avec le temps, ça va s'arranger. Parfois, on est amené à doser la testostérone pour voir est-ce qu'il n'y a pas un syndrome. Oui. C'est le même effet. Et des fois, ça prend beaucoup de temps pour que ça arrange. Sinon, on est amené à prescrire. Sam. C'est que. Oui. Oui. Sam, la connexion est mauvaise. La connexion est mauvaise, Sam, je pense. La mienne? Je crois, on n'a pas très bien entendu. Non, si Hachem, la connexion, je ne sais pas. Monsieur Hachem, vous voulez intervenir? Hachem. C'est la sienne qui est mauvaise, en fait. Monsieur Hachem, vous entendez? L'arrêt des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, c'est le même effet, je crois, que l'hormonothérapie, c'est-à-dire lorsqu'on arrête l'hormonothérapie après 6 mois, ça prend du temps pour reprendre parce que les récepteurs sont satués. De toute façon, je voulais répondre à professeur Rundel. Quelques petites questions, quelques petites remarques. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Vas-y, Hachem, je t'écoute. Vous m'écoutez. Il n'y a pas un pour, de toutes les façons, il n'y a pas un pour et un contre. Lorsque le professeur, docteur et professeur M m'ont contacté pour ce débat, je leur ai dit, je suis pour et contre en même temps. Parce que chez un même malade, on ne peut ni être pour, ni être contre. C'est-à-dire, soit on va lui donner la bithérapie, soit non. Soit c'est sur mesure. C'est-à-dire, pour ou contre, on n'est pas totalement pour ou totalement contre l'association de traitement, comme vous l'avez bien dit. C'est-à-dire, il faut choisir les malades. Et comme je vous ai dit, il faut bien choisir les malades, choisir sur le plan économique. Déjà, c'est un traitement qui passe du simple au quadruple. Ce n'est pas au double. Comme vous savez, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase, les anticholinergiques, c'est des traitements qui augmentent le prix de 4 fois. Ce n'est pas de 2 fois ou 3 fois, c'est 4 fois presque. Donc, on doit choisir des malades qui peuvent avoir ce traitement, qui peuvent accepter ce traitement. Et comme vous avez dit, un traitement qui coûte 3 mois, le traitement médical, une résection qui coûte 3 mois de traitement médical. Je ne crois pas que c'est vrai parce que le traitement d'abord, le maximum des traitements associés, c'est 250 dirhams. Je ne vois pas une résection à 750 dirhams au moins. Non, mais pas un mois, hein? Un an de traitement. Ouais, t'as dit 3 mois. Et pour un an de traitement. Parce qu'avant, lorsque les premiers alpha-bloquants étaient trop chers. Donc, pour la tamsulosine pour l'anéjaculation ou pour son association avec la finastéride, c'est pour passer les caps du premier 6 mois où le traitement avec les 5 alpha-réductases vont agir parce que ça demande beaucoup de temps. Le malade ne va pas attendre 6 mois. Si je lui donne la finastéride seule, j'en suis sûr que ce malade va arrêter le traitement, il va chercher un autre médecin, il va se faire opérer ou il va chercher autre traitement. C'est-à-dire les associer pour passer le cap des 6 mois. Si un malade il vient parce qu'il est gêné, parce qu'il a un problème, des signes urinaires, il faut le soulager. Un alpha-bloquant plus les 5-alpha-réductases, comme a dit le professeur Ben Atiyah, pour une durée X. 6, 9, 10, 12 mois, ça dépend de la taille de la prostate. Et j'ai bien dit, de 6 à 10, à 18, à 18 mois, et selon la taille de la prostate. Tant la taille est augmentée, il faut augmenter la durée de l'association pour avoir un effet de diminution. Parce que les 5-alpha-réductases, ils agissent par diminution de la taille de la prostate et diminution de la pression sur l'urètre prostatique. Alors, il y a d'autres questions. Peut-être qu'on va donner encore la parole à l'Assemblée. Quelqu'un qui pose une question sur l'association avec la triptoriline ou la gozériline.
pour une courte durée, chez les patients unfit, en chirurgie, et porter une sonde à demeure. Alors bon, je ne sais pas ce que pensent mes confrères, mais je pense qu'en fait, les agonistes et les analogues de la LHRH ne sont pas les médicaments qui sont indiqués dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Je ne vois pas trop l'intérêt que ça pourrait avoir sur une courte durée pour les patients de porter une sonde à demeure, mais sonde à demeure, par définition, c'est les patients donc, qui ont gardé la sonde pendant très longtemps. Et pour moi, ce ne sont pas les médicaments qu'on utilise dans cette pathologie. Je ne sais pas si quelqu'un a un autre avis. Alors, c'est le plan raisonnement, c'est correct. C'est le plan raisonnement. Du moment où on prescrit les inhibiteurs de la 5-alpha-lactase, mais c'est le plan AMM, et il nous semble que c'est du moment où on peut prescrire les inhibiteurs de la 5-alpha-lactase dans cette pathologie qui est bénigne, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de prescrire un analogue de la LHRH pour cette pathologie, il me semble. C'est pas du tout indiqué dans la GP. Pardon. J'ai vu une seule étude qui a donné l'hormonothérapie pour la prostate, mais les effets secondaires sont tellement importants. Sont très importants les effets secondaires. Ils sont supérieurs aux bénéfices qu'on va gagner chez un malade qui ne peut même pas être opéré, aller l'agresser par une hormonothérapie, alors qu'on a les 5-alpha-réductases, les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase. C'est-à-dire, c'est trop de monde. C'est tuer une mouche avec un canon. Et ils n'ont pas une action rapide parce que le problème de ce patient porte une sonde à demeure. Ce n'est pas les analogues de LHLH qui vont régler ce problème parce que ça me demande, même pour réduire le volume prostatique, donc ça va demander un temps important. Donc, on ne peut pas résoudre ce problème par les analogues de LHLH. Et bien sûr, ils sont très coûteux et deuxièmement, ils ont beaucoup d'effets secondaires. Et ça équivaut à castrer le patient si vous voulez un effet rapide. Je peux aller plus loin et proposer la castration. Ça serait excessif. Non, c'est un traitement ancien de l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est la castration. Castration chirurgicale. Du moment où on a les... Mais il n'y a pas d'action rapide. Parce que quand on porte une sonde à demeure, on veut se sevrer de cette sonde le plus tôt possible. Je crois que le message va ressortir, c'est qu'il n'y a pas d'indication des analogues ni d'antagonistes dans l'hypertrophie bénigne de prostate. Alors la question suivante... Moi je vais poser une question à laquelle les deux collègues n'ont pas abordé. C'est l'association d'alpha-bloquants avec l'injection de toxines botulinées au niveau de la prostate chez les malades qui ont des sondes à demeure et qui sont infites pour la chirurgie. Que pensez-vous? Là, on était dans le traitement médicamenteux, machine mini-invasive. Non. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai vu ça, je voulais le mettre. Mais étant donné qu'on était dans le traitement médical, je n'ai pas voulu s'étendre sur le... C'est mini-invasif. C'est faisable. Sur l'étude que j'ai vue, c'est faisable. Il y a des études qui ont montré une amélioration. C'est-à-dire, c'est les 5, c'est pas les alpha-bloquants avec la toxine botulinique, mais c'est les inhibiteurs de la 5-alpha-réductase avec la toxine botulinique. C'est-à-dire que les 5-alpha-réductases vont agir au moment où le toxine botulinique va perdre de son efficacité. C'est-à-dire un maintien, c'est la même chose, c'est la même idée. Mais il n'y avait pas beaucoup de mal avec l'étude, mais je n'ai pas voulu la mettre exprès parce que j'ai vu que c'était un traitement mini-invasif. Ça ne rentre pas dans le cadre de notre... Il y a une question. Au cas où il y a une dysfonction érectile chez un malade qui a une hypertrophie bénigne de la prostate obstructive, à ce moment-là, on associe les deux. On associe un alpha-bloquant avec un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5. La question d'un de des collègues, c'est-à-dire au lieu de prescrire la tadalafil 5, pourquoi ne pas prescrire le 20 et deux fois par semaine au lieu du 5 chaque jour? C'est-à-dire éventuellement pour minimiser le coût du traitement. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne minimise pas le coût parce que j'ai fait le calcul lorsque j'ai lu la question. Une question. Le prix, c'est la même chose. Si on prend deux comprimés par semaine, on revient sur le coup sur la même chose. Mais que vous savez que le tadalafil, il y a des pics sanguins. D'accord. Et le 5 mg, c'est qu'il faut garder une baseline de tadalafil dans le sang. Ce n'est pas seulement pour avoir une bonne érection, mais surtout pour stimuler les cellules endothéliales vasculaires, comme a dit le professeur Rondin. Il y a un problème vasculaire. Et le vasculaire va se transformer en produit de dégradation de fibrine. Il y a beaucoup de choses qui vont conduire à une inflammation au niveau de la vessie. Il faut la continuité du traitement. C'est-à-dire que ça doit continuer.
et le, pour le prix, parce que lui, il a avancé le problème de prix. Ça revient au même. Le 5 mg tous les jours ou la 2 comprimés, parce qu'il est vendu, je crois, à la, dose. La cinétique du tadalafil, c'est tout à fait différent. Voilà, c'est ça. On ne peut pas proposer un traitement comme ça, il faut le soumettre à un essai clinique, comme ça, il y a des données pharmacocinétiques, des données cliniques, comparaison, on compare les 5, le 20 mg à 2 fois par semaine, je crois qu'il y a un protocole à respecter. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse proposer un traitement. Il y a une continuité du traitement, c'est un traitement quotidien avec le 5 mg. Voilà. Donc ça a été étudié et validé. C'était une action directe sur les fibres. Oui. Alors, comment vous faites chez un patient qui est hypertendu, qui est sous traitement antihypertenseur, chez qui vous voulez lui prescrire et un inhibiteur de, phosphodiester de type 5 et un alpha-bloquant, sachant que vous avez un anti ou plusieurs antihypertenseurs, un alpha-bloquant et un inhibiteur de la phosphodiester de type 5. C'est-à-dire ma question, à quel moment on va proposer la prise de l'un ou l'autre? C'est un malade hypertendu, sous traitement. Généralement, donc, lorsqu'on commence avec les IP2-5, 5 mg, on commence avec l'IP2-5 pendant 8 semaines. À quel moment? S'il n'y a pas d'amélioration, on passe à l'alpha-bloquant, on ajoute l'alpha-bloquant. Mais à quel moment de la journée? Il faut les 12 heures, c'est-à-dire un le matin, un le soir au sommet. C'est-à-dire qu'on va prendre le 5 mg le matin et le 8 mg le soir, ou l'inverse. Et le tamsilosine le soir, ou l'inverse. Donc, il doit les dispatcher parce qu'ils vont donner des vasodilatations tous les deux. Avec un traitement anti-hypertenseur, il faut bien doser les doses. Il faut bien voir des malades pour lesquels on ne va pas associer des traitements. Ce qui est conseillé, c'est d'espacer les médicaments anti-hypertenseurs, les IP2-5 et les alpha-bloquants de 4 heures. C'est-à-dire, imaginez que votre patient prend les antihypertenseurs le matin. À ce moment-là, vous allez lui conseiller l'IP2-5 à midi et l'alpha-bloquant le soir. Je recommande aussi chez un patient sous antihypertenseur, c'est utiliser les alpha-bloquants urosélectifs. Donc, le tamsulosine, en principe, c'est le traitement recommandé dans le cas où le patient utilise en même temps un antihypertenseur. En principe, il faut respecter un délai de 4 heures et éviter d'utiliser les autres alpha bloquants qui ne sont pas urosélectifs. Et j'ai vu dans l'association les inhibiteurs phosphodiestérase type 5 avec les alpha bloquants, en principe, on peut les associer à la dose de 5 mg. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, même si on les associe avec les alpha-bloquants. Mais ce qu'il faut éviter, c'est essentiellement l'association avec un autre antihypertenseur. Donc, il faut bien sûr sélectionner le traitement. Les alpha-bloquants, c'est le tamsulosine. On peut utiliser un inhibiteur de la phosphodiesterase de type 5. À la dose de 5 mg, apparemment, ça ne pose pas de problème selon une étude très récente. D'accord. Et une autre question, votre expérience, il a survenu de troubles psychiatriques chez les patients sous inhibiteur de la 5-alpha-lévictase. Est-ce que vous avez déjà vu ou rencontré, par exemple, vous avez eu des troubles psychiatriques chez un patient sous ditastéride ou finastéride? Une question de Dr. Bouabdallah. Alors, moi, j'ai vu un trouble psychiatrique à la limite de la psychose, mais pas sous un 5-alpha-lévictase, mais sous analogue de la LHRH. Et ça, on l'avait mis sous le compte de syndrome de déficit en testostérone chez un sujet âgé. On voit les troubles cognitifs, même des troubles psychiatriques, chez les malades sous traitement par les analogues. Maintenant, la question, est-ce qu'il y a possibilité de voir des troubles psychiatriques chez des malades sous 5-alpha-lévictase? Oui, il y a des troubles psychologiques, à savoir l'anxiété, surtout le changement d'humeur, parce qu'il faut savoir que c'est des traitements hormonaux. C'est un traitement hormonal, et la 5-alpha, c'est un inhibiteur 5-alpha-réductase, la 5-alpha-réductase existe au niveau du cerveau.
Donc, la dépression et surtout des pensées suicidaires. La dépression, enfin, la 5-alpha réductase et dans le traitement hormonal, c'est que le problème, c'est qu'il y a des pensées suicidaires. Et il est préconisé de l'arrêter. Et il est même vu, parce qu'il est très utilisé, le Propecia. C'est-à-dire le traitement pour l'alopécie. Oui, la finastéride, 1 mg. Ils ont eu beaucoup de vie et ils préconisent l'arrêt total de traitement rapidement et orienter le malade vers un psychiatre. Parce que là, ça rentre dans une structuration de la dépression. C'est ce qui est écrit et j'ai vu sur des articles. Ah oui, les troubles. C'est des choses qu'on oublie toujours. Lorsqu'on prescrit les 5-alpha réductase, il ne faut pas les prescrire chez les malades dépressifs. Il faut éviter de les prescrire chez les malades dépressifs. À ce moment-là, c'est dû à... Hein? Donc, c'est dû à l'hypoandrogénie. L'hypoandrogénie induite. L'hypoandrogénie induite. Et là, parfois, la dysérection, parfois, les troubles sexuels qui vont s'associer. Et là, c'est chez des personnes qui sont prédisposées, ça risque de donner des problèmes. Et il est préconisé par l'Agence nationale des médicaments d'arrêter rapidement le traitement et d'orienter le malade vers un psy. Donc, ça rejoint tous les symptômes qu'on voit dans le syndrome déficit en testostérone. Ah oui, c'est la même chose parce que c'est... On va éviter, parce que la testostérone en elle-même n'est pas efficace, c'est la dihydrotestostérone qui est efficace, on va l'arrêter. C'est la même chose. On a de la testostérone, mais sans... Oui. Autre question? Je ne sais pas ce qu'il y a d'autres questions. Marathé, il a posé une question. Je pense que c'est le... Oui. Donc, à ce moment-là, si on veut discuter, donc c'est une question de typologie de patient qui va nous inciter à soit à la monothérapie, soit à l'association de traitement. C'était même le sujet d'un rappel par l'Agence nationale de sécurité du médicament sur les troubles psychiatriques avec la finastérine. Ça a été rappelé. Donc, c'est quelque chose de sérieux qui existe, qui est fréquent. Mais malheureusement, nous, on ne tient pas trop compte de ça. Malheureusement. Si première question de Siamer. Moi, je tiens quelques années. Il était tout à fait dit qu'il fallait éviter au maximum l'association des différents traitements dans l'hypertrophie bénigne de prostate. À l'époque, on a mis, surtout, par exemple, j'ai entendu parler de l'association d'alpha-bloquants entre eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît quelque chose qui n'a pas aucun intérêt, me semble-t-il. Hein. Donc, c'est quand le traitement de base n'arrive pas à calmer tous les symptômes qu'on peut faire appel éventuellement à une classe thérapeutique différente. Et si le professeur Sayer l'a bien dit, parce que ces différents produits ont des cibles d'action qui sont différentes. Et c'est sur ceux qu'on va jouer. Maintenant, est-ce qu'on est pour ou contre? Logiquement. Oui. Comme je vous ai dit, on ne peut ni être pour, ni être contre. Ce n'est pas possible. Parce que pour un malade, demain, vous allez vous retrouver avec une ordonnance où c'est écrit « Sayer Hashem » avec un seul traitement, vous allez dire « Il est en train de nous raconter des choses ». Demain, vous allez voir avec une autre ordonnance, avec deux traitements, vous allez dire « que Hashem qui trouve le la droite ». Non, il y a des malades, je suis pour, et il y a des malades, je ne suis pas contre, ils n'ont pas besoin. Tout simplement. C'est ni pour ni contre. Il n'a pas besoin. Mais par contre, ça demande, je pense, c'est des prescriptions spécialisées. Faites par l'urologue. Par l'urologue, hein, c'est-à-dire qu'il va bien analyser les symptômes et essayer de répondre en fonction des symptômes que le patient présente et des éventuelles causes physiopathologiques qui engendrent ces symptômes. Oui. Là, vous soulevez un point très important dans la mesure où, même en France, l'HVP est prise en charge par les médecins de famille dans 85% des cas. Et dans le service, on a fait une étude, enfin, un sujet de thèse au niveau de la région de Marrakech, Saint-Sylt-House, et nous avons vu que tous les généralistes prennent en charge l'HVP pendant des années, des hommes et des femmes médecins. Et si ces patients nous sont adressés, c'est que vraiment ils sont arrivés au stade de chirurgie. Je crois qu'il y a des choses à faire à ce niveau, peut-être promouvoir la formation continue des médecins généralistes, transmettre ce qu'on vient de dire ce soir. Et je pense que c'est une idée, je pense que Graves peut aller dans ce sens, ou alors quand on aura une AMU digne, il fera ça peut-être un jour. Oui. Je pense que de toute façon, le médecin généraliste,
a vocation à traiter les HVP simples. Par contre, il faut effectivement attirer leur attention de passer la main quand ça devient compliqué. Notamment, je pense, l'association de plusieurs produits, à mon avis, dépasse peut-être ce cadre-là. Moi, je suis convaincu que le traitement médical de l'hypertrophie bénigne de la prostate relève de la médecine générale. Mais le médecin généraliste, il passe la main à l'urologue dès lors qu'il y a une résistance au traitement médical ou s'il y a apparition de complications, auquel cas il faut proposer un traitement chirurgical. Le médecin généraliste chez nous, on est obligé de le valoriser. Il faut qu'on lui laisse la main pour qu'il prescrive les thérapeutiques simples pour des pathologies qui sont aussi simples que l'hypertrophie bénigne de la prostate. Mais dès qu'il y a une résistance à un traitement par alpha-glucan, généralement la prescription d'alpha-glucan n'est pas difficile. À ce moment-là, il faut passer la main au spécialiste parce que pour définir quelle association pour quel type de patient en fonction de la symptomatologie. À ce moment-là, il faut affiner le type de syndrome et quel traitement proposer pour quel syndrome en fait. Parce que généralement, on a un syndrome obstructif, mais des fois, on peut avoir d'autres, soit une polyurée associée, une obstruée très importante, on peut avoir une dysfonction érectile qui est assez fréquente, on peut avoir des hyperactivités vésicales qui sont associées. Même si vous prescrivez, par exemple, les alpha-bloquants associés aux inhibiteurs de la 5-alpha-dictase, des fois, ça ne marche pas. Et dès que tu mets un anticholinergique, la symptomatologie s'améliore. Maintenant, j'ai vu une association, Pardon, monsieur. Je pense qu'il faut traiter cas par cas et je pense qu'il faut commencer toujours par une monothérapie, évaluer l'évolution, évaluer l'efficacité du traitement et si on a besoin d'ajouter un autre médicament, il faut l'ajouter avec une grande prudence en analysant la symptomatologie. Est-ce qu'il y a une prédominance des troubles obstructifs ou irritatifs et en fonction des situations, donc on peut proposer éventuellement une association. Mais je pense que cette association doit être de courte durée. Éventuellement, il faut toujours aboutir à la fin avec un traitement en monothérapie, si c'est possible. Alors, je crois que pour les syndromes obstructifs à bas parieur urinaire chez l'homme, c'est un peu comme les troubles de la continence chez la femme. Je pense que l'analyse sémiologique doit vraiment être un temps très, très important avant de prescrire le moindre médicament, parce que parfois même, c'est quelque chose qui n'a aucun rapport. Hein. L'exemple très simple, hein, c'est le patient qui vient se plaindre parce qu'il se lève 6 fois la nuit, et puis quand on lui fait une glycémie, on trouve qu'il a une glycémie très augmentée. Il va chez son diabétologue, sa glycémie est arrêtée, on ne voit plus le patient. Hein. Donc je pense que l'analyse sémiologique est très très importante. Oui. J'ai vu une association alpha-bloquant avec Mira Begrand. Est-ce que c'est une association sans lendemain sur le problème cardiovasculaire? La question, elle est aussi bien au Stade Rundel qu'également à Hachem. L'association alpha-bloquant avec Mirabegran, bêta-droit mimétique. Hachem, on a parlé, moi, je n'ai pas d'expérience. Hachem, je continue. Oui, j'ai vu quelques articles, mais c'est très rare. L'indication, elle est pour l'incontinence, pour l'hyperactivité vésicale. Et comme a dit le professeur Hamel, ils ont bien signalé qu'il ne faut pas l'associer chez les malades qui ont des troubles, des problèmes cardiaques. En aucun cas, il faut les associer les deux, parce que l'ADEC, c'est un bêta-mimétique, la fois, c'est un alpha-bloquant. Donc, le risque de vasodilatation, il est là, les hypotensions post-orthostatiques. C'est des études japonaises qui ont été faites, une seule ou deux, trois. Il n'y avait pas beaucoup d'articles, mais je l'ai cité dans la méta-analyse, pas toute seule. C'est une méta-analyse qui voulait étudier toutes les associations. Cette association n'est pas courante, elle est dans le cadre expérimental, c'est-à-dire dans les études, pour les études tout simplement. Moi, je n'ai pas vu d'article, il a cité plus de, je crois, si j'ai l'article ici, une centaine de patients tout simplement. Donc, mais ils ont signalé que devant tout problème cardiaque, il ne faut pas l'associer. Ça, c'est la première recommandation devant le Mirabeau. Très bien. Donc, on remercie nos amis conférenciers et je laisse la parole à M. Ben Attiyah et au professeur Nouini pour qu'il conclue donc notre réunion de ce soir. Nouini. Vous, la parole, M. Ben Attiyah. Je laisserai la parole en dernier au professeur Ben Attiyah, puisque c'est notre aîné, donc c'est lui qui fera la conclusion.
Bon, je vais tout à fait dans le sens de ce qu'on dit, le fait que dit tout le monde. Hein, je pense qu'effectivement, on ne peut pas être pour ou contre. C'est une affaire de cas. Il me semble néanmoins que on doit tendre, on doit essayer de se contenter de monothérapie quand c'est possible, mais quand la monothérapie n'arrive plus à contrôler l'ensemble des symptômes, l'ensemble de la symptomatologie, effectivement, il faut savoir passer à une bithérapie hein, qui va être adaptée en fonction, comme je disais précédemment, de l'étude sémiologique des doléances et des problèmes des patients, l'étude aussi peut-être qu'on oublie, l'étude paraclinique, hein, dans laquelle la débimétrie, dans laquelle l'échographie prend une place très très importante, parce que parfois certains patients se plaignent de symptomatologie, mais quand on arrive à, quand on étudie au point de vue objectif leurs paramètres, eh bien on se rend compte qu'en fait, ils ont parfois peut-être un problème qui va au-delà du problème purement, somatique. Merci. Donc, dans le même sillage, donc, il faut traiter cas par cas. Et je pense, moi, je suis au début pour une monothérapie. Et s'il n'y a pas une efficacité, surtout un alpha-bloquant, comme vous savez, c'est vraiment le traitement de référence. S'il n'y a pas d'efficacité, donc, on va ajouter éventuellement un autre médicament, tout en surveillant le patient, sachant que cette association va bien sûr va faire augmenter le prix, mais aussi les effets secondaires. On est affaire à des sujets âgés. Peut-être il y a une association prometteuse, c'est l'association un alpha bloquant avec un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5, apparemment c'est une association prometteuse pour chez qui, pour les patients chez qui un alpha bloquant de départ n'est pas suffisant. Une association apparemment il augmente aussi apparemment selon quelques études même le débit. Donc avec peu d'effets secondaires, peut-être c'est une association prometteuse. Donc c'est seules les études futures et le recul qui peut répondre correctement à cette question. Donc, je vous remercie tous et je passe la parole à Siam. Aziz, Frakira, Aziz. Est-ce qu'on m'entend? Oui, allez. Oui. Donc, si j'ai quelque chose à dire, c'est dire bravo les collègues, vous avez très très bien assuré. Comme vous voyez, je suis beaucoup plus heureux que je ne peux l'exprimer. Le débat de ce soir a été enrichissant et la présence des professeurs Nouini, professeur Benatia, professeur Rondal, professeur Sayer et bien sûr professeur Hachem nous fait chaud au cœur et a contribué à la réussite de ce débat. Je n'oublierai pas de remercier encore une fois de plus le laboratoire Sun Pharma pour leur contribution et puis de féliciter l'équipe Béante pour la qualité de la transmission qui nous a permis d'être connectés chacun chez soi, vous chez vous. Et je vous dis au prochain webinaire qui est toujours dans le cadre des controverses en neurologie. Et le prochain webinaire, je vais voir avec le professeur Hammer quand on va le lancer, mais l'idée est déjà là, c'est concernant la maladie de la Peyronie, parce que les controverses en neurologie concernent toujours des sujets d'actualité et qui sont le pain quotidien de la consultation en neurologie. Alors, comme vous le savez, le Xiapex n'est plus, il n'est pas actuellement disponible en Europe. Déjà, quand il était disponible, on a du mal, nous, au Maroc, à y avoir accès. Alors, le débat qu'on est en train de préparer, c'est les injections intraplaques dans la maladie de la Peyronie. Pour ou contre, c'est un débat qui va être enrichissant. Donc, on va le préparer doucement pour être à l'attente de vos questions. Bien sûr, vous qui êtes derrière votre écran, si vous
estimez qu'il y a des sujets qui méritent le débat, qu'on peut les mettre dans les controverses, n'hésitez pas à nous contacter, le professeur Hamer ou le professeur Dr. Bessouda ou bien moi-même, et puis on peut en parler. Donc encore merci à tous et bravo les amis, vous avez très très bien assuré et je vous dis à la prochaine. À bientôt.